C'est pas tes affaires, Aiden. Ça te regarde pas. Quoi qu'il se soit passé, c'était une erreur, ok? J'aurais jamais dû être aussi naïve. Voilà pourquoi je voulais pas que tu fourres ton gros nez partout. Putain, t'aurais pu respecter ça, au moins. Je suis désolé. C'est bon, oublie. Laisse-moi tranquille. Erwan, qu'est-ce qui se passe? Tu lâches jamais le morceau, hein? Tu devrais le savoir. Tu devrais savoir que je déteste pleurnicher. Y'a aucune pleurnicherie à dire ce qu'on ressent. Ok. Tu peux rester si tu veux. Mais m'interromps pas. Je suis occupée. À te bourrer la gueule? Mais non, crétin. Je regarde les étoiles. Je vois la grande ours. Eh ben, t'en sais des choses. Sauf que la grande ours est de l'autre côté. Ah, oups. Ça valait le coup d'essayer. Tu connais d'autres constellations? Ouais. Franck me parlait souvent des étoiles avant. On construisait le fisheye. J'aimais bien grimper sur l'échafaudage jusqu'au toit. Franck montait me dire qu'il faisait trop froid, qu'il était trop tard. Mais il finissait toujours par me raconter des histoires pendant des heures. J'adorais l'écouter. Les étoiles brillent tellement, elles sont si proches, qu'on a l'impression de pouvoir les choper par les boules. C'est ce que disait Franck. Joli, hein? Et toi, Aiden? Quoi, moi? Ça arrive aussi que les pèlerins aient le cœur brisé? C'est plutôt l'inverse. Les pèlerins sont du genre bourreau des cœurs. Toujours sur la route. Toi, un bourreau des cœurs? Je reste fixé sur mon objectif. Alors, ta constellation, c'est Orion. Orion le chasseur. Là-bas. On a de la chance de le voir. Il est pas là toute l'année. Il va, il vient. Un peu comme toi, pèlerin. T'es en train d'inventer tout ça pour m'impressionner. Peut-être. Peut-être pas. T'es impressionné? Assez, ouais. Alors, t'as rencontré Hakon quand tu construisais le fisheye, avec Franck? Lui et Franck passaient beaucoup de temps ensemble. Ils étaient amis. C'était une histoire assez banale, en fait. J'étais jeune, j'avais besoin d'attention. Et lui avait besoin de s'amuser. Au moins, j'aurais appris une leçon que j'oublierai jamais. Et ce poème? Ce sont juste des mots, Aiden. Des mots qui ont un sens. Du temps, l'amour n'est pas le jouet. Même si s'incurve sous sa faux la lèvre et la joue rose, aux fugaces instants, l'amour résiste. Juste des mots, hein? Ouais. Juste des mots. Ça te tient toujours à cœur, hein? Tu m'aurais pas demandé d'aller à la partie, non? Bah ouais, Aiden. La personne que je suis maintenant me tient à cœur. Voilà pourquoi je voulais pas y aller. Pour que la petite naïve qui vivait là-haut ne reprenne pas le dessus sur moi. Je l'ai détestée. Mais maintenant, c'est derrière moi. Il faut qu'on dorme. Aiden, si je vois Hakon, je le tue. C'est aussi simple que ça. N'essaie pas de m'arrêter. Ok. Mais tu sais bien que la vengeance ne règle rien. C'est pas pour moi. Mais pour Franck. Je vengerai tous ceux qui sont morts cette nuit-là. Beaucoup d'étoiles se sont éteintes pour toujours. Hakon se la joue. Mais quand il a fallu agir, il a abandonné ses potes et ils sont tous morts. Il a montré son vrai visage. Putain de lâche. On peut pas revenir en arrière. C'est vrai. Mais je peux l'empêcher d'avancer. Et je le ferai, putain. Ouais. Bonne nuit, Aiden. Bonjour, ville d'or. C'est une nouvelle journée qui commence, un monde tout neuf. C'est votre pote Franck à la radio. Ouais, à la radio. Depuis le fisheye. À partir d'aujourd'hui,
je vous donnerai les bonnes nouvelles de Vildor. Participons à la reconstruction de cette belle communauté. Lawan ? Lawan, t'es là ? Vous avez bien entendu. Et pour commencer en douceur ce nouveau chapitre, un peu de musique. Aiden, t'es là ? Viens à la cantine. C'est pas pour te vexer, Frank, mais j'ai vraiment pas le temps, là. Matt allait m'aider à retrouver ma sœur, et puis je t'ai refilé la tour. Et maintenant, je suis baisé. Du calme. Viens au Fisheye, on va discuter. J'ai peut-être une idée. Je veux t'aider, Aiden. C'est Frank sur la radio libre, Vildor. Votre voisin, votre ville. Une fois encore, et pour toujours, déconnexion. Parle-moi, Frank. Bon, on a commencé du mauvais pied. J'ai très envie de corriger ça. Prends un verre, ok ? Pour moi. J'ai vraiment pas le temps pour ça. Faut que je trouve un autre moyen de trouver mon... Écoute deux minutes. Oh, ça peut soit accéder au bâtiment du GRE. Tu comprends ? C'est pour cette raison qu'on doit trouver ce pèlerin. Il offre un putain de paquet de cristaux pour ce qu'il a. Et beaucoup de boosters. C'est bon, j'ai toute ton attention. Est-ce que c'était ? Des renégats, ouais. Mais comment t'avais... La station de télévision était contrôlée par l'armée. Elle a fait plus que simplement diffuser à partir de là. Grâce à toi, on peut écouter l'ennemi. Il semble que Waltz cherche la même base de données que toi. Mais l'observatoire est complètement imbibé de produits chimiques. J'ai aucune idée de comment cette merde de GRE fonctionne, mais Waltz semble savoir. Peut-être que l'observatoire n'est pas le seul endroit où l'on peut accéder à la base de données. Cette conversation, c'est tout ce que vous avez ? Pour l'instant. Mais si on se rapproche de leur position et qu'on pirate leur fréquence, on pourrait obtenir plus d'informations sur les plans de Waltz. Comment ? La transmission que vous avez entendue a été interceptée près d'une vieille antenne militaire dans le Wharf, juste au sud de Marsh End Lane. Si on active cette antenne, ça boostera le signal et on pourra entendre tout ce qu'ils disent. Chaque syllabe. Et tu sauras exactement ce que mijote Waltz. Autre chose avant que je reparte ? Ouais, encore une chose. Regarde ce poster, Aiden. Les traceurs nocturnes avaient l'habitude de respecter et de vivre selon ce credo. J'avais l'habitude de penser que nous étions aussi déchirés que ce morceau de papier. Mais le credo signifie toujours quelque chose. Et si tu augmentes la portée, je peux contacter les anciens traceurs nocturnes restants. Certains doivent être encore en vie. Je comprends maintenant. Ça signifie beaucoup pour toi, n'est-ce pas ? Pas seulement pour moi. Pour tout le monde ici. Mais il y a une pièce manquante. Tu sais pourquoi j'ai pas jeté ce poster depuis tout ce temps ? À cause de Lawan. Quand je l'ai vue pour la première fois, elle devait avoir 8 ou 9 ans. Elle était à peine vivante. On aurait dit qu'elle avait pas mangé depuis un an. Et elle essayait d'aider des enfants à récupérer un cristal d'un voleur. Le type les menaçait avec un couteau. Il faisait 2 fois leur taille, plus fort. Et elle lui a sauté dessus. Elle lui a mordu la main si profondément qu'on a entendu ses cris jusqu'au vieux Vildor. Après ça, elle a donné le cristal à l'un des garçons. Et elle est partie. Elle a rien retiré de tout ça. Elle avait pas à prendre de risques. Je l'ai regardée et j'ai pensé... C'est tout ce qui nous reste. En tant qu'humains... Nous pouvons nous battre les uns contre les autres. Chacun pour soi. Ou alors, quoi qu'il arrive, nous pouvons nous défendre les uns les autres. Puis j'ai écrit ce credo. Cette petite fille a aidé les traceurs nocturnes à devenir ce qu'ils étaient pendant des années. Et si nous devons renaître, nous ne pouvons pas le faire sans elle. Ok, j'arrive. Va les récupérer, je serai sur la radio. Tu me rappelles Lawan ? Avant qu'elle soit obsédée par sa putain de liste de cibles. On va mettre les renégats sur écoute pour toi. Je découvrirai ce que mijote Waltz. Je te le promets.
Frank, j'ai mis l'antenne en marche. Ok. Voyons de quoi parlent ces bâtards. Réunissez les gars et avancez vers l'est. Oh, ça n'est... Il faut qu'on le rejoigne. Il bouge, Aiden. Ils ont dit qu'ils allaient rejoindre Waltz, vers l'est. Il y a une autre antenne en haut d'un condominium à l'intersection du boulevard Saint-Paul et de la rue Pitt. Juste à l'entrée du canal principal. Fais la marcher et on continuera à les surveiller. Compris. Aiden, le colonel semble évacuer les camps renégats. D'abord l'électricité, puis les raids dans la boucle centrale. Et maintenant ça. On dirait que Williams ne veut pas se battre, pas plus que nous. Ou il a vraiment l'intention de fermer les écluses et de renvoyer les produits chimiques dans la ville. Mais sa forteresse serait également détruite, donc cette évacuation n'aurait pas de sens. On doit étendre la portée pour en savoir plus. J'ai activé la deuxième antenne. Les renégats étaient là, sur le toit. En parlant de renégats, j'entends une conversation. Rendez-vous boulevard Garrison, les anciens bureaux. Waltz y sera pour nous donner les ordres. Rien de neuf à propos du pèlerin ? Non, mais il a trouvé quelqu'un qui l'aide à accéder à la base de données. Si vous apprenez quelque chose sur ce foutu pèlerin, prévenez-moi, continuez à chercher, terminé. Frank, je dois accéder à l'endroit où ils sont. Tu les as entendus, Aiden. Waltz te cherche. Il a un moyen d'accéder à la base de données. Il a trouvé quelqu'un. Il est trop fort pour toi. Et tu vas lui foncer droit dedans. Si c'est la seule façon de connaître la vérité, alors qu'il en soit ainsi. T'es têtu, gamin. Têtu comme Lawan. Je te contacterai. Tu vois, Waltz avait raison. Ces connards nous avaient mis sur écoute. D'abord lui, et ensuite on récupérera l'employé du GRE au vieux Vildor. Et le boss sera aux anges. Où est Waltz ? Waltz ? Pas besoin de Waltz pour traiter avec toi. Ah, ce bon vieux Frank, tellement naïf, avertissant les gens, parlant beaucoup trop. Chopez-le ! Yeah!
Aiden. Aiden. Tu vas bien? Je pense que oui. Ouais, Waltz n'était pas là. Et ils savent qu'on les espionne. Je sais. Tu sais? Quelqu'un a essayé de me prévenir. Mais l'avertissement est arrivé trop tard. T'es sûr que tu vas bien? Ouais, je... Mon infection s'est réveillée. Les renégats parlaient d'un employé du GRE au vieux Vildor. Waltz le cherche aussi. Un ancien employé du GRE au vieux Vildor? Je vais m'en occuper. Qui a essayé de te prévenir? Ben, c'est la partie la plus étrange. C'était Hakon. Il veut te rencontrer. Je savais pas que vous vous étiez rencontrés tous les deux. Autre chose à savoir? C'est... une longue histoire. Pourquoi ça me surprend pas? Il avait pas quitté la ville? Eh ben, il est toujours là. Et il t'attendra à l'église de l'île de Saint-Paul. Il a des infos sur Waltz. Et... peut-être qu'il sait quelque chose sur la One aussi. Je vais rencontrer Hakon. Toi, essaie de découvrir ce qui est arrivé à la One. Rappelle-toi, il t'écoute aussi. Oui, Aiden. Sois prudent. Qui sait ce que Hakon prépare? Je retourne au fisheye. Bonne chance. Hey, Franck, l'église est vide. De quoi tu parles? Hakon n'est pas là, mais on dirait que les renégats ont campé ici. Les braises sont encore chaudes. Aiden? Pourquoi tu voulais me voir, Hakon? Pourquoi pas? Ça fait un bail. On dirait que tu t'es fait de nouveaux amis. Au fait... Quoi, tu sais pas où elle est? Non. Mais ce que je sais, c'est que quelqu'un tue les hauts gradés de Williams, chacun d'un seul carreau d'arbalète. On dirait le MO de la One, non? Ok, pèlerin, on passe aux choses sérieuses. Je vois que Waltz te tient toujours en laisse. Assez de blabla, Aiden. Donne-moi la clé. Quoi? La clé du GRE, Aiden. Donne-la-moi. Je veux pas me battre avec toi, Hakon. Dommage. J'en ai rien à foutre de ce que tu veux. Je t'ai sauvé la vie au bazar. Ah, tu m'as sauvé la vie, j'ai sauvé la tienne. On est quitte. Peu importe ce que tu penses, on n'est pas des amis. On l'a jamais été. Bon, donne-moi la clé. Tu sais que je peux pas faire ça. Prenez-lui cette putain de clé! Réputation dans ce trois. C'est ce que tu voulais?
T'es vraiment prêt à me tuer pour cette clé, Akon? Il y a déjà eu tellement de morts. Tu peux pas arrêter de faire tourner la roue maintenant. Mais t'as eu une chance de me tuer, de m'achever au bazar. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que t'en penses, gamin? Tu m'as promis de me faire sortir de la ville. On avait un deal. Mais tu m'as balancé. Et tu crois que Waltz te laissera partir, juste comme ça? Tu sais ce qu'il a fait à Dylan. À tous les autres. Ouais. Mais ils se sont tous mis sur son chemin. Dylan l'a trahi. Lucas ne voulait pas donner la clé, alors... Alors tu l'as assassiné? La clé et mon laissez-passer pour sortir de la ville. Ah, ça me fait vraiment chier de devoir te tuer. Donne-moi la clé. Akon ! Tu peux pas t'enfuir ! Peut-être, mais tu veux pas me voir. Tu sais, je suis plus aussi beau que j'étais. On a tous les deux vu ton biomarqueur. Tu me trouveras pas à temps. Combien de personnes t'as trahi, Akon ? Cillian, Franck, Lawan ? Pourquoi tu l'as trahi ? Franck t'a parlé de la station de télévision. Il t'a dit que je m'étais dégonflé. Eh ben, il avait tort. C'était une mission suicide. Et Lawan, pourquoi tu l'as quitté ? Quoi ? Comment t'es au courant de ça ? Réponds simplement à la question. J'ai fait un pacte avec le diable. Et elle avait ses propres démons à gérer. Mais de quoi tu parles ? Je suis parti pour la protéger. Si j'étais resté, Waltz l'aurait fait tuer. Alors pourquoi t'as bossé avec lui? Pourquoi t'as trahi Franck? C'est pas le cas. J'ai pas trahi Franck. J'essayais de régler les choses. Après la station de télévision, j'avais prévu d'espionner Waltz. Mais il a eu des doutes. Il a menacé de tuer Lawan. Et maintenant, c'est trop tard. Je vais en finir avec toi, Eden. C'est ce que tu récoltes, gamin. Qu'est-ce que t'es devenu? J'ai essayé d'éviter ça. T'as utilisé tes 9 billes, Aiden. T'es quoi, putain? Crève. T'as utilisé... Je suis désolé, Akon. Je voulais pas ça. Franck, c'est Aiden. Akon est mort. Oh merde, non. Je savais que ça arriverait. Bon, reviens au Fisheye. J'ai entendu de nouveaux trucs à propos de Waltz. Il se rend au vieux Vildor. La personne qui l'a retrouvé est un médecin du GRE. Est-ce que c'est lié à la base de données ? Oui. Et je pense connaître la personne après laquelle il est. J'essaierai d'utiliser la radio pour la joindre en premier. Je prends cette clé, Aiden. Arrête, Akon. T'es pas en état de te battre. C'est ce qu'on va vite savoir. Akon, parle-moi. Ça n'a aucun sens.
Les traceurs nocturnes, ça voulait rien dire pour toi? T'as pas envie d'arranger les choses? Il n'y a plus rien à arranger. Les traceurs nocturnes, c'est terminé. Peu importe ce que Frank dit, il ressuscitera pas les morts. Bien que ce soit un beau rêve. Qu'est-ce qui s'est passé avec les traceurs? Frank m'a dit que t'as arrêté après la station télé. Depuis ce jour, je me demande... Si j'avais été là, est-ce que ce serait différent? Est-ce que mes amis seraient toujours en vie? Je sais que je peux ramener personne. Mais j'ai fait un vœu. Je ferai mes preuves auprès de Frank. Et de Lawan. J'ai plus envie de me battre avec toi, Akon. Moi non plus, gamin. Moi non plus. Je veux dire... Je suis tellement fatigué. Putain, tellement fatigué. Merci de l'avoir adouci pour moi. Ah, c'est mon rayon de soleil. Avec une arbalète mortelle. Ferme ta gueule. C'est une bonne chose que tu m'aies pas achevé, ou alors elle aurait été sacrément énervée. Lawan? Mais comment t'as... J'ai mes propres relations. Essaie de m'arrêter, et on sera plus amis, Aiden. Tuer Akon ne t'aidera pas, Lawan. Mais qu'est-ce que t'en sais? Je suis au courant pour les traceurs. Frank m'a raconté. Il a parlé d'équilibre. Et de lâcher prise. C'est lui qui dit ça? Mais c'est le cas. Et toi, tu pourrais aussi. Je me trompe. Lawan, il a dit qu'il voulait te protéger. Qu'est-ce qu'il raconte, ce trou du cul? Il a dit qu'il avait rejoint Waltz pour pouvoir l'espionner. Aiden, la ferme! Mais il a dû arrêter, parce que Waltz t'aurait fait du mal. Conneries.